Monde c'est Roswell, on se retrouve pour la petite GDA du mercredi soir. On est sur un booster d'attaque. En face, il joue en tank vert. Comment ça s'est passé jusque-là? Ok, donc déjà au moins deux fois, on va reprendre du début. Ok, j'ai été OS en ouverture de la guerre, ça fait toujours plaisir. Ensuite, une. 2 et 3, ça va. La deuxième fois, par contre, ils sont pris à 3 fois. C'est cool, c'est que ça a bien tenu. Il y a de grosses équipes en face. Comme je disais, donc tank vert. Ouais, si c'est vert, j'ai cru que c'était rouge. Il y a de ces grosses équipes. J'ai repéré celle-là. Et d'ailleurs, je crois que je vais aller directement attaquer celle-ci en rouge. Ouais, ça aussi. C'est rapide, c'est ça le problème. Ça aussi. Ça, ouais, il y a franchement du. Il y a du lourd. Il y a carrément du lourd. Celle-là, je la ferai peut-être en jaune, histoire de me débarrasser rapidement de Freya. Allez, je vais partir là-dessus en rouge. C'est pas obligatoirement le meilleur choix. C'est pas obligatoirement le meilleur choix. C'est trois lands au centre. C'est que des lands d'ailleurs. J'aurais peut-être moyen de m'en tirer avec. Avec d'autres équipes. Oui, c'est celle-là que je vais attaquer en rouge en fait. C'est rapide. Si je peux me débarrasser tout de suite de Kingston, ça pourrait le faire. J'ai presque fini Yang Mei, dommage, j'aurais bien voulu l'avoir fini pour cette guerre. Et puis bah, j'ai eu le télescope tout à l'heure là dans l'événement de Noël. Celui qui me manquait pour Crystallis, donc c'est cool, je vais pouvoir enchaîner directement avec Crystallis, même pas besoin d'attendre la quête bleue qui va arriver dans le mois. Sur ce, je vais emmener Boltusk. Ces derniers temps, mon rouge passait pas trop. Je pense que c'est que je manquais un petit peu de soin. Boltusk, c'est pas top au niveau du soin, mais c'est toujours mieux que Grazul. Ensuite, on va prendre Marjana. Non, Marjana, je vais la placer là, mais il faudra que je pense à la déclencher en deuxième. Ensuite, on va mettre elle. Ou alors, je le fais à l'ancienne avec Boltusk. J'ai envie de tester ma petite Yang Mei. J'ai envie d'emmener Yang Mei. En plus, elle va faire du bien au niveau de la mana. Elle va donner un petit peu de mana à tous les rouges à la fin de chaque tour. Donc, c'est quand même assez cool. Du coup, c'est toi qui vas prendre la ninja. Voilà. Je vais laisser la 25 à Boltusk pour qu'il charge le plus vite possible. Toi, tu vas prendre celle-là. Allez, on va partir comme ça. J'aurais peut-être dû donner la 8 à Zenobia, quoi, pour la vitesse de mana. Ok. On va essayer un truc. Non, j'espérais une rouge ici. Ce qui fait qu'en faisant ce match-là, avec un peu de chance, ça faisait remonter et la troisième tuile suffisait à tuer Kingston. Yes. Bon, je l'ai pas eu exactement comme je l'entendais, mais c'est passé. Hop, oula. Okay. Bon, c'est pas tip top pour l'instant quand même, ça serait bien que je puisse faire remonter un peu. Ok, je vais charger tout le monde. Voilà. Hop, on va se débarrasser. De qui je vais me débarrasser? Est-ce que je commence par Sartana ou par Skadi?
Je vais aller de ce côté-là. Je vais aller de ce côté-là. Hop. Tac. Très bien. Ensuite, on va envoyer un petit coup de Yang Mei. Très bien. La jetée des coups m'a fait franchement pas très mal. Elle fait vraiment pas très mal. Voilà, donc là on voit que c'est remonté quand même très vite et je pense que c'est l'effet de Yang Mei quoi, ce que Yang Mei donne comme mana qui a fait ça. Ok. On booste, on envoie. Hop, et on est bien. Ok, nickel. Nickel, bon bah la première qui passe tranquillement, c'est cool. Ah bah en plus c'est la revanche, c'était lui qui m'avait tué en ouverture. Tiens, chais, comme disent les jaunes. Les jeunes. Les jaunes. Allez, on avait dit ça en jaune, justement. Hop, toi, on va emmener. Toi, on va emmener Akorog et on va emmener June. Pour l'instant. Ouais, il n'y a pas vraiment de multi-cible, donc j'ai pas spécialement d'intérêt à emmener Sif. Encore une fois, un Sif, je l'emmène quand il y a des frappeurs multi-cibles en face. Ok, beaucoup de vert. J'aurais peut-être dû y aller en vert d'ailleurs. Avec un flank bleu, ça aurait peut-être pas été idiot. Ça aurait pas été idiot. Comment je vais pouvoir refaire remonter quelque chose là? Ah, comme ça visiblement. C'est la misère là, un peu pour faire remonter. Oula, stop, 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 c'est pas possible. Bon, c'était pas obligatoirement très intelligent ça non plus. On va faire ça. Pour faire remonter celle-là au milieu. C'est la misère là pour. Qu'est-ce qu'il a contre June Zoc là? Qu'est-ce qu'il a contre le père June? Quand même pas croyable. Taper là. Je ne vais pas tuer truc là avec ça. Ah, ça non plus. Elle est mal barrée celle-là. Elle est franchement mal barrée. C'est un petit peu lourd à force. C'est un peu chiant quand ça veut pas. Que je voilà, Vivi qui a déclenché, déjà c'est une bonne chose.
Oh, c'est pas vrai, il esquive. Tiens, ça, tu esquiveras pas. Non, mais. Qu'est-ce qui fait mal, lui? Ah, j'ai perdu le Korog. C'est très mal barré. C'est franchement très très mal barré. Aïe, 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 je vais perdre un Drakfang là-dessus. Non, ça va. Ok. C'est pas encore mort, mais là, je vais vraiment avoir besoin de. De ça, par exemple. Ok. Bon. Ça pète le top au niveau du dégât. Tac. Il va pas faire très mal là pour l'instant. Pas beaucoup de jaune. Ça peut être pas mal. Déjà envoyer ça. Voilà. On enlève le debuff, tac, tac. Ça sera sans doute pas assez. Oh si, c'est bon. Ok, bah ça passe. Il y a vraiment un moment où j'y croyais pas. Il y a vraiment un moment où j'y croyais plus trop au fait que ça passe. C'est cool. Ensuite, on va aller voir lui. On va attaquer en bleu. Avec du lent au milieu, c'est quand même le mieux pour attaquer dans la couleur faible. Elle est là, toi. Frida. J'ai failli appeler Freya. Hop, Morel et mon petit Lépus. Tac. Alors, la 24, je la veux pour Frida. Lui, il va prendre la 8. Krampus. Puis, bah, ils vont prendre du 2. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Ok, c'est très bien. C'est parfait. Hop, je vais la tuer d'abord. Avec un peu de chance, ça suffira pour Chaco machin. Alors que le. Ouais, j'étais pas certain que les dégâts mineurs suffisent en fait pour Bertila, étant donné qu'elle est verte. Alors que pour Chakozrod, j'en étais pratiquement certain. Elle va soigner. Ok, tac. Elle va soigner quand même. C'est bien dommage. Oh, j'ai oublié type. Oh, j'ai de la chance. J'ai de la chance, elle frappe au bon endroit. Ok, nickel. C'est fait, c'est passé, très bien. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous reste, je veux dire? Ok. Le bleu c'est fait, le rouge c'est fait, bah ça on va y aller avec le violet. Hein.
On va y aller avec le violet. Donc Snowflood. Panthère. Je la mets elle au centre pour taper tout simplement dans l'ordre. Ça m'arrive un petit peu de me tromper sinon. La 25, c'est bien entendu pour la miss. Et toi, tu vas prendre la 4. Ok. Ouais, ça y est, elle atteint les 800 d'attaque. Là, j'en ai maintenant 3 800 d'attaque. C'est cool. Allez, on part avec ça. D'entrée de jeu, c'est pas top. Mais je devrais pouvoir me débarrasser déjà du soigneur. Non? Oh. Ah, dommage qu'il n'y ait pas juste une petite tuile qui soit allée sur Vivica pour la terminer, quoi. Elle soigne. On va s'en débarrasser tout de suite. Allez, Oust. Va-t'en, Vienne. Alors, je pense pas que les 3 tuiles suffiraient à tuer Quintus. Par contre, on envoie en 2 tuiles dans le vide. Ça peut être cool pour moi. Ah zut. J'espérais que ça se ferait avant. Envoyez-toi. Allez, envoie le direct, celle qui fait mal là. Non, il n'y a que 16% de défense, ça pas envoyé. C'est de la merde. Ensuite, on va envoyer Alfric. Un petit peu de Xnolfod pour soigner. Redonner un poil de mana. De rien, c'est lui qui me fait le plus peur, donc je préfère m'en débarrasser maintenant. Et ça n'a pas suffi. C'est bien dommage. Hop, on va commencer avec ça. Alfric, Xnolfod. Ok, voilà. Bon. Très bien. Bon, bah c'est passé. Jusque-là, tout va bien. Qu'est-ce qui reste? 4502. Bah, c'est tout ce qui reste entier. Donc, ça, je vais l'attaquer en. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le vert. C'est pas top. C'est pas top. Allez, toi, toi, Francine, on va la remettre. Comme ça. Ça, c'est pour le titan que je l'avais mis avec son costume. Et enfin, Kingston, voilà. Ouais, je vais laisser la 25 à Ratatosker. Étant donné qu'il est moyen, les autres sont tous rapides. On va laisser comme ça. Ça pue assez sévèrement du bec.
Ça pue sévèrement du bec. Yes. Bon, elle me fera pas chier une deuxième fois comme ça au moins. J'ai pas beaucoup de tuiles. Yes, c'est maintenant. Hop. Taper de ce côté-là, parce que je vais pouvoir me débarrasser. Les coups directs font pas très très mal de Gravemaker. Et en déclenchant, comment elle s'appelle, Francine, je vais enlever les dots directs. Donc autant taper de ce côté-là. On va terminer Sartana. De cibler, ça va pas suffire, ça c'est dommage. C'est dommage parce que du coup il y a Vivica qui va pas tarder à soigner. Encore ou pas? Non, un clean se plus là. Alors j'ai pas bien suivi, mais il me semblait que celle-ci se retrouverait ici. C'est pas grave. Stop, 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 voilà. Ok, très bien. Tout se passe très bien pour l'instant. Tout se passe très très bien. Ok, très bien, Crappy qui est en train de faire la petite finition, c'est parfait. C'est parfait. Le truc toujours sympa, ils ont quelqu'un qui les a quittés pendant la guerre, en fait, pendant les phases de préparation. Donc il n'a pas attaqué une seule fois. C'est cool pour nous, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool pour eux, quoi. C'est. Enfin, je sais pas, je peux comprendre qu'on veuille quitter une alliance, qu'on en ait marre du jeu, par exemple, ou qu'on s'entend plus, mais. C'est peut-être cool de pas handicaper non plus son alliance. Donc voilà, bref. Il aurait pu attendre la fin de la guerre avant de partir. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une deuxième équipe. Deuxième rouge. En deuxième rouge, j'ai pas grand-chose. On va peut-être essayer de pas attaquer trop trop fort non plus. Là, du long, j'aime bien. Allez, on va essayer ça. Donc là, j'ai plus Boltusk. Donc on va partir avec Grazul. Tac. Tac. Tac.
Tiens, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, mon petit tir. Donc on va en étirer. Hop, voilà. Ça va, ça reste raisonnable en fait comme équipe quand même. Ça tourne, je vais aller à 25. Hop. Qu'est-ce qu'il a comme bleu? Ouais, c'est pas mal ça. Si je déclenche Mitsuko avant. Bon, en fait, c'est plutôt ça d'ailleurs. Hop, qu'on va faire. Et tir, il va prendre la ninja. Tir, il va prendre la ninja. Qui n'a. Toi, voilà. Hop, allez, on va y aller comme ça. Peut avoir de la gueule quand même, finalement, cette équipe. Ok. C'est parfait. C'est absolument parfait. Je pouvais pas rêver mieux comme tirage. Faire ça lui de toute façon pas être suffisant pour le tuer, donc autant préparer le. Oh. Le diamant, mais. Ça reste très mal barré. C'est bien qu'il y ait une rouge qui revienne encore là, non? Oh, ça suffit pas, sérieux! Celle-là ne sera pas passée. Non, tu vas pas me faire chier, toi. J'aurais bien voulu déclencher Thorn au moins. J'aurais sans doute pu faire mieux. J'ai détanké, c'est déjà ça. Bon, 5 OS, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, j'aurais préféré 6. Voilà. Bon, du coup, c'est tout pour ça. Je ferai ensuite, tout à l'heure, je pense, une petite vidéo de présentation du héros du mois, sans doute aussi du héros de nouveau de Noël. Et puis voilà, peut-être que je parlerai aussi un petit peu de Call of Antia. Je suis de plus en plus dans le jeu, de moins en moins dans un puzzle pour l'instant. J'ai un petit peu plus de mal à m'y mettre en ce moment. Voilà, petite baisse, hein, clairement, je vais pas abandonner le jeu, j'ai trop investi dedans, je me suis trop mis dedans pour lâcher ce jeu-là. Pas comme ça en tout cas, mais clairement, j'ai vraiment, vraiment envie de mettre un peu plus dans Call of Antia, qui est vraiment un très bon jeu. Et qui plus est, où on peut vraiment jouer et se mesurer aux autres en étant free to play. Voilà, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. Ciao.